Hey, shalom, Akiam. Par rapport à la vidéo, I think we spoke about that long time ago. I made a video about it, like 7 months or even a year. On est au courant, on connaît ces détails-là. So what the brother is just talking about, je vais vous juste donner encore un autre document pour renforcer encore vos connaissances. Là, I got this book here, it's called The Pictorial History of the Jewish People. Alright? Alors, quand nous partons, par exemple, au niveau du Sahara, regardez, la dernière fois, j'étais parlé de ce géographe-là, il s'appelle Leo Africanus. Donc, il y a plusieurs de ces documents, il wrote a lot, so he worked a lot on map. Il a fait beaucoup de cartes démographiques des peuples, ok, especially in the African region. Donc, tu peux suivre ces travaux-là, on est en 1800, et il confirme plus ou moins ce que l'Italien l'a dit, ok. Il dit ici, right, par exemple, Léo Africanus écrit que les Abyssiniens confirmaient qu'il y avait un peuple nombreux d'origine juive, ok, qui vivait dans les bords du Nil. I told you, souvent chez les Bantous, les gens vont dire, ouais, ils viennent de l'Égypte, tout ça là, blablabla. They don't really make the difference between, ok, les Hamites et les Sémites qui viennent du Nord. They don't make that difference, non? Donc, on partage la même peau, on est noir, tout ça là. Quand tu prends le livre de Sophonie 3:10, Sophonie 3:10 dit quoi? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mais dispersé, ok, on ne peut être dispersé que si on n'est pas chez soi en réalité. Et j'ai toujours dit, quand les soi-disant Bantous sont arrivés au niveau du Congo là, ils ont vu qui là-bas? Les autochtones de ces régions-là, ce sont les Pygmées, des proper Hamites. Right? But anyway, now look. Il dit ici que, à partir de, il says here, ok, les Abyssiniens disaient qu'un peuple nombreux d'origine juive, ok, était trouvé au niveau des bords du Nil, en allant vers l'ouest, et ils habitaient là-bas sous la protection d'un grand roi. Quelques nouveaux géographes ont localisé, ok, dans des régions montagneuses de l'équateur entre le Congo et Abyssinie, qu'ils appellent ce territoire-là the land of the Hebrews, right? Donc quand on vous dit des trucs, we say what we know and we testify of what we've seen. That's what the scripture says, study to show yourself approved unto the Most High. Donc, je te fais juste ce petit truc-là, en complément avec l'information que le frère a livrée. Mais cette information, on l'a déjà donnée il y a peut-être 8 mois de cela. You can check it out. Shalom.